Metafore si richiamano tra di loro a distanza anche di molti canti. In questo caso, quello che il lettore è invitato a fare è non leggere soltanto orizzontalmente dal primo canto all'ultimo, dall'inizio alla fine, la commedia, ma avere a mente quello che ha già letto, tessere dei percorsi alternativi e rompere quindi rispetto alla linearità del testo, grazie al campo semantico esterno introdotto dalla metafora. Queste due che avete qui sono le due celebri metafore contenute nelle due protasi alla seconda e alla terza cantica, in cui Dante utilizza in entrambi i casi la stessa metafora della scrittura come navigazione. Quindi quello che è il viaggio letterale e concreto del pellegrino attraverso i tre regni dell'aldilà diventa anche un viaggio per mare della scrittura. Usando la stessa metafora a distanza di più di 30 canti, quello che Dante sta facendo è appunto invitare il lettore a interrompere per un attimo la lettura lineare e ritornare con la mente all'altro passo in cui questa metafora è già stata impiegata per percepire, arricchire la propria percezione di quello che sta leggendo, per appunto fare un cammino supplementare diverso, non lineare, più accidentato, che viene proprio veicolato da queste metafore. Anche in questo caso Dante aveva riflettuto su come le metafore fanno questo, per esempio in un passaggio importantissimo dell'Epistola a Can Grande, in cui commentando il significato che Dante si augurava che i suoi lettori rintracciassero nella commedia, si dice che il senso, il significato di quest'opera che Dante sta presentando, che è la commedia stessa, non è un senso semplice, ma è polisemo, è un senso plurale. E questo è molto importante perché Dante ci istruisce su come vuole che la commedia sia letta, e nel farlo definisce i significati sulla scia di una tradizione fortissima nel Medioevo, che è quella dell'esegesi quadripartita delle scritture, e dice che appunto c'è un primo significato letterale, che è quello che le parole vogliono dire in sé per sé, poi ci sono altri tre significati, uno allegorico, uno morale e uno anagogico. E la definizione stessa di allegoria che Dante qua riporta chiama in causa questa idea di estraneità, di effrazione e di rottura rispetto alla norma, perché allegoria viene dal greco alleon, che in latino si dice alieno, ed equivale a diverso. Quindi tutto il discorso allegorico, tutti i sensi traslati della commedia che si applicano non più soltanto a livello della singola parola, della singola espressione, ma che coinvolgono l'intera struttura, l'intero percorso del poema, sono dei livelli alieni, diversi, straniati rispetto a quello che la parola vuol dire, che la lettera vuol dire in sé per sé. In questo senso, quindi, la metafora è una macroeffrazione, perché una volta applicata a un testo nella sua totalità, crea degli altri testi, dei testi diversi che rompono rispetto alla semplice lettura lineare. Anche in questo caso questa posizione veniva a Dante appunto da una tradizione fortissima, qui vi ho messo un passo di Agostino in cui si dice appunto che le scritture non sono mendaci, a differenza di quello che avevamo visto nella prima parte, quando appunto si parlava di prospettiva grammaticale e di espressioni linguisticamente false. Per Agostino, quando si usa una metafora, un tropo, non si sta dicendo una bugia, una cosa falsa, ma semplicemente si dimostra che ci sono dei tropi, delle metafore, che generano una locuzione, un tipo di discorso appunto tropico, traslato, che ha una sua ragion d'essere, che costruisce dei percorsi di senso, non è semplicemente falso, incongruo, improprio. E anche in questo caso c'è una ripercussione contemporanea sulla riflessione sulla metafora in quello che è lo studio della coerenza tra metafore e soprattutto tra campi metaforici. Accade molto spesso, questo l'hanno osservato Lakoff e Turner in un libro molto importante sulla metafora poetica, che all'interno di uno stesso componimento molte metafore siano coerenti tra di loro, come abbiamo visto prima con le due metafore della scrittura come navigazione,
e così facendo si creano dei piani di discorso interi, altri, diversi, che si aggiungono a quello letterale e piano del discorso e impongono al lettore di ancorare queste metafore in quello che loro conoscono della vita e del mondo e della cultura, creando quindi appunto questo straniamento a un livello ancora superiore. Dante questo lo fa moltissimo, se prendiamo ancora la prima terzina del poema, con questa idea del cammino di nostra vita, che è appunto un modo per vedere la vita come un cammino, possiamo poi rintracciare questa stessa metafora in tantissime parti del poema, dove proprio perché è già stata enunciata, proprio perché il lettore la deve avere in mente, si usa ancora questa associazione tra la vita e il cammino. Per esempio, quando Beatrice nella sua reprimenda alla fine del Purgatorio dice che mentre era in vita mostrava i suoi occhi a Dante e lo menava in dritta parte volto, faceva in modo che il suo percorso di vita, il cammino della sua vita, fosse dritto nella direzione giusta. Ma una volta morta, Dante volse i passi suoi per via non vera, si allontanò dalla diretta via. Lo stesso si può dire per gli altri viaggi, il viaggio del pellegrino che è richiamato nel passo di Casella, o il viaggio della scrittura, non mi lascia più dirlo, Fren dell'arte. In tutti questi casi il ricorso alla stessa metafora, quella della vita come cammino o della scrittura come cammino, introduce rispetto a quello che si sta raccontando in quel passaggio specifico un collegamento con la struttura intera, che è odeporica, del viaggio della commedia. E veniamo infine all'ultimo tassello di questa riflessione, che è un ulteriore allargamento di prospettiva e è legato appunto all'idea che la metafora sia qualcosa di concettuale, prima ancora che linguistico. Già Aristotele diceva che è estremamente da lodare colui che è capace di creare metafore perché ha la capacità di mettere davanti agli occhi del lettore o dell'ascoltatore una somiglianza nuova, non prima prevista. Quindi ecco un altro modo in cui la metafora costituisce un'effrazione, una rottura. Ci permette di percepire delle cose, delle associazioni che noi magari non avremmo percepito prima da soli. Qua c'è un esempio molto bello tratto dal finale del Purgatorio. Siccome c'era da suggello che la figura impressa non trasmuta, segnato è ora da voi lo mio cervello. È molto difficile figurarsi il modo in cui la memoria trattiene le cose che vede e che sente. Usando una metafora, che è topica perché fa parte della tradizione almeno da Platone, che è quella della cera e del suggello, Dante ci permette di visualizzare, di comprendere in una maniera inattesa rispetto alla nostra esperienza quotidiana che cosa può essere la memoria, che cosa può essere avere un cervello che viene appunto impresso, segnato da qualcosa che avviene al di fuori di lui e che trattiene, come una cera che poi si indurisce, questo segno. Questa idea di metafora chiaramente ha a che fare con una prospettiva che non esiterei a definire epistemologica, che secondo me traspare in maniera molto netta da quella che è l'unica riflessione un po' esplicita della commedia sul linguaggio figurato, che si ritrova nel quarto canto del Paradiso, dove Beatrice spiega che le anime che Dante incontra per i vari cieli gli appaiono distribuite appunto nei diversi cieli non perché siano state assegnate a quel particolare cielo, perché in realtà risiedono tutte nell'Empireo, ma soltanto per far segno, cioè per dare un segno. Questo termine è molto importante perché rimanda a delle teorie semiotiche medievali come quelle dei Signa di Agostino e di altri autori successivi. E spiega poi Beatrice che questo modo, questo stratagemma con cui le anime si mostrano a Dante, che è poi in definitiva uno stratagemma di Dante come poeta per costruire la commedia, è adeguato all'ingegno dell'uomo, perché l'uomo apprende solo dai sensi quello che poi riesce a elaborare con l'intelletto. E questa è la stessa cosa che avviene nelle scritture. In questo modo la scrittura accondiscende, si piega alla facoltà umana
e attribuisce a Dio piedi e mano, e in realtà intende altro. Non intende dire che Dio abbia concretamente dei piedi e delle mani. È una finzione, appunto, è qualcosa che, per tornare alla Vita Nova, secondo la verità è falsa, ma che si può dire non solo per licenza poetica, non solo per ornare il discorso, ma soprattutto per permettere all'ingegno umano di figurarsi, di rappresentarsi qualcosa che normalmente non riuscirebbe a rappresentarsi o che viene rappresentata in una maniera nuova e inattesa. Anche in questo caso Dante non inventa niente, è una teoria che era estremamente diffusa nel Medioevo, in particolare un passaggio proprio vicinissimo a quello di Dante che abbiamo appena letto, che è sicura fonte direi per il quarto canto del Paradiso, è questo passo di Tommaso della Summa Theologiae, in cui si dice appunto che è conveniente, è giusto che la Sacra Scrittura trasmetta le cose divine e spirituali sotto la similitudine di cose corporee, perché è naturale per l'uomo conoscere, arrivare alla conoscenza a partire dalle cose sensibili, passando poi per quelle intelligibili, perché per gli uomini tutta la conoscenza ha inizio dal senso. E in questo senso quindi la metafora è lo strumento principe, perché rompendo una convenzione che è quella non solo linguistica ma anche proprio percettiva, per cui delle cose astratte, spirituali e incorporee non si parla o si parla in termini astratti e incorporei, rompendo appunto con questa convenzione, presta mani e piedi, presta un corpo, presta un'immagine, permette al lettore, all'ascoltatore di percepire qualcosa in maniera diversa e così facendo rende possibile la conoscenza e la dicibilità poetica. E anche in questo caso, come vi dicevo, gli studi contemporanei hanno tutto sommato recuperato questa prospettiva. Il libro che si citava prima di Lakoff e Turner, ma anche appunto quello di Lakoff e Johnson del 1980, che ha fondato proprio gli studi di linguistica cognitiva delle metafore, è fondato sull'idea che le metafore concettuali siano proprio questo modo che gli esseri umani hanno per concettualizzare la propria esperienza a partire dai sensi, dal corpo, da quello che conoscono, che viene tradotto a prestare corpo appunto a ciò che invece è immateriale e più difficile da percepire. E, in questo senso quindi una metafora come quella del mezzo del cammino di nostra vita si rivela, adesso l'immagine è un po' brutta, però la ragione per cui è interessante è che è un cammino evidentemente che conduce alla luce e è un'illustrazione del Corano, quindi diverse culture, non solo la nostra, hanno concettualizzato l'esperienza di vita, che è un concetto appunto inafferrabile, difficile da descrivere in termini astratti, rendendolo con un'esperienza quotidiana e normale per tutti noi, che è quella del cammino. Quindi anche in questo caso rompendo, infrangendo una percezione normale e forzando il lettore a percepire in una maniera diversa, più ricca e in questo caso più ancorata alla nostra mente, ai nostri sensi, a quello che siamo come esseri umani. Grazie. Grazie. Bien parler d'ant en italien, et puis parce que ça nous permettrait peut-être d'avoir un peu moins d'appréhension pour ça, ses premiers pas dans cette enceinte, hein, un petit peu moins d'appréhension, donc c'était très bien, mais Gaïa peut fort bien participer à un débat en français. Mais on peut aussi continuer en italien, il n'y a rien de prescriptif dans ce que je viens de dire.
je vais dire un mot peut-être pour relancer le débat. J'ai été très heureux qu'à la fin de votre exposé, vous citiez le texte de Thomas d'Aquin sur la scientia sacra, parce qu'évidemment, c'est le terme ultime de votre enquête. Est-ce que, puisque le reste de votre entreprise est bien marqué par la stylistique et les enquêtes sémiologiques ou grammaticales, est-ce que vous avez réfléchi sur le lien qu'il y a entre la sémiologie et la théologie? Est-ce que la théologie, au fond, est un genre particulier de sémiologie? C'est une thèse qu'on peut défendre. Ou au contraire, hein, toute stylistique n'est que la préparation à un engagement théologique. Comment vous représentez votre travail à cet égard? Se posso rispondere in italiano, così mi esprimo, cioè, visto che è una domanda abbastanza complessa. No, sicuramente è uno degli aspetti più interessanti, credo, della riflessione sul linguaggio figurato, è proprio questa capacità di connettere dei domini di riflessione così distanti tra di loro. Ciò che è alla base della discussione grammaticale in realtà è un problema teologico molto forte, perché appunto non è solo una questione linguistica, è una questione decidere se la Bibbia mente o non mente, dice bugie o non dice bugie, è un problema teologico oltre che grammaticale molto pressante. E in questo senso dei semi importantissimi sono stati gettati da Agostino, che con una teoria appunto semiotica basata sulla corrispondenza tra res e signa, quindi tra verba anche signa, ha posto le basi per una riflessione durata tutto il Medioevo su come il linguaggio possa rimandare o direttamente a delle altre cose o a delle cose che a loro volta rimandano ad altre cose. È la famosa distinzione elaborata da Beda e centrale per tutta la riflessione ermeneutica e teologica della differenza tra allegoria in verbis e allegoria in factis. E appunto in questo senso il problema semiotico è inscindibile tanto da quello grammaticale quanto da quello teologico, e non potrebbe essere altrimenti in una religione come quella cattolica fondata sul verbo, fondata sulla parola rivelata, e dove quindi è estremamente importante che un testo voglia dire la cosa giusta. Per tutto il Medioevo la gerarchia ecclesiastica si è affaticata per promuovere una corretta interpretazione della Bibbia, proprio perché è questione di salvezza per un cristiano interpretare bene il testo e quindi riflettere anche sui modi in cui il testo può significare non solo quello che dice la lettera, ma qualcosa di più o di diverso addirittura. Non so se ho risposto alla domanda. Sì. Della metafora, quindi come inflazione, perché non ricordo il passo esattamente, ma nel De Vulgere ad un certo punto Dante dice che è lecito innovare per chi ha un progetto novum atque intentatum. Quindi dice, non le pare che ci sia anche questa preoccupazione che proprio caratterizza l'inflazione stilistica e la pratica dello scarto rispetto al linguaggio? C'è questa questione della liceità o illiceità della metafora e della novità metaforica? Sì, senz'altro c'è, anche perché in quel senso è ancora più difficile usare un linguaggio normale se non c'è un precedente, quindi quando stiamo dicendo qualcosa di nuovo è ancora più normale e appunto lecito e giusto impiegare una metafora, perché non solo si vuole marcare l'eccezionalità di questa impresa, ma si ha necessità proprio di fare ricorso a uno strumento linguistico in qualche modo eccezionale, potenziato, che è quello della metafora. Quello che spero che sia emerso da queste poche considerazioni è che questa deviazione della metafora, questo scarto della metafora rispetto a una norma, di qualunque tipo sia, grammaticale, retorica e via dicendo, è una risorsa enorme per il poeta. Cioè avere a disposizione la possibilità di derogare offre un enorme ventaglio di possibilità.
per il poeta, che appunto nel caso di un discorso nuovo, intentato, è ancora più importante, più stimolante, più urgente. Ok, mais pour la rédaction de ma thèse, j'ai préparé une base de données avec toutes les métaphores de la comédie, qui sont presque 3000, donc j'avais beaucoup d'exemples parmi lesquels choisir. Et je ne sais pas, je choisis lesquels qui me semblaient les plus adaptes pour ce que j'étais en train de dire aujourd'hui. J'espère qu'ils étaient... profitable pour vous. Merci. Ci sono dei momenti in cui Dante, si può pensare che Dante utilizzi un linguaggio in maniera non lecita, perché poi alla fine perché mi sembra che lei abbia come veramente in qualche modo spinto sulla liceità della metafora. Chiaramente lui era interessato anche ad accreditarsi come qualcuno che stava facendo una cosa legittima. Questa credo che sia una caratteristica di Dante, anche quando lui rompe nella maniera più netta, cerca sempre di non fartelo percepire poi così tanto che sta facendo una cosa molto eterodossa. Però questo è molto evidente guardando gli antichi commentatori della commedia, che in una quantità enorme di casi si sentono in dovere di giustificare quelle che loro chiamano improprietates e che sentono come troppo violente, troppo il passo della rogna, o anche quello messo in bocca a San Pietro sulla cloaca. Sono dei passi a cui i commentatori del 300 hanno reagito con scandalo, e quindi questo dimostra che quello che Dante stava facendo, almeno per un pubblico contemporaneo, non era poi così lecito, non era poi così accettabile. E noi oggi li consideriamo dei passaggi eccezionali perché appunto, almeno idealmente, siamo usciti da un'idea di normatività linguistica così rigida, però non era così scontato invece nel 300, e quindi queste metafore così... C'è un passo molto bello di Nencioni in cui dice che proprio la cifra della commedia e questo uso di un'improprietà anche forzosa, che diventa quasi una proprietà in bocca a Dante, perché in alcuni casi è talmente esasperata che diventa la cifra proprio del suo discorso. Un passo di Nencioni. Talmente esasperata questa improprietà. E secondo dalle prospettive sì, può essere anche ispirata, ovviamente dipende quello un po' da... Il y a un peu de flottement sur le plan du maniement des concepts entre effraction et infraction. Bon, ce qui est évidemment une tentation assez naturelle, et j'ai eu l'impression que souvent, sauf à tratti peut-être, ça rejoint un peu la question de Manuel, je crois. Sauf par moment, hein, c'était surtout l'icéité, donc l'infraction, et donc, etc., etc. Bon, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même si on a un noyau sémique qui est le même. Alors, j'ai envie de poser une question double, en essayant de réorienter. C'est aussi à propos de... Bon, qu'il se construit dans mon esprit en même temps que je parle, c'est un petit peu complexe parce qu'il y a le passage par la référence à Boncompagne qui, moi, m'intéresse particulièrement, puisque la grande thèse de Boncompagne, c'est que toute activité sémiotique est transumptor, et que le premier transumptor, c'est Dieu lui-même. Bon, il y a quelque chose, une espèce d'intuition qui est
déclaré sur son, un mot facétieux, mais qui est quelque chose d'absolument extraordinaire et dont, dont je me demande, hein, là encore, comment et par quel passage bon, ça peut ou pas hein, nourrir. Mais en pensant à mon compagnon et en pensant au cas concret qu'on a vu, je me demande un petit peu si cette transunction, hein, comme catégorie générale, n'est pas effraction, précisément dans un certain nombre de cas, parce qu'il s'agit de forcer un passage dans quoi, un passage dans la surface des mots, un passage dans les, dans les signes, dans les signes, de manière très souvent illicite, parce que sinon, on ne fait que répéter la métaphore, dire que, qu'on a entendu la veille et qu'on va transmettre à sa postérité ces métaphores usées, etc., etc. Alors que précisément, et on revient à la question de la conformité, si, s'il y a une force chez Dante, c'est d'extraire par la force des significations nouvelles, des possibilités de significations nouvelles. Sommilien de Samorbe, hein, je cite un syntagme que j'ai entendu. Alors, y a d'une part cette réflexion générale, et puis il y a d'autre part une question sur laquelle je ne sais pas si tu as réfléchi ou pas, et sur laquelle je pense des choses un petit peu vagues. Mais, comment dire, tous ceux qui réfléchissent sur l'exégèse biblique, ses protocoles, etc., s'appuient toujours sur de Lubac, mais pour dire en réalité qu'il faut aller au-delà, puisque la Bible, on voit bien d'ailleurs comment Pétrarque, je m'égare un petit peu, mais laïcise le propos, comment la Bible, c'est aussi le lieu d'une interprétation infinie, d'une lecture infinie, donc d'interprétation toujours renouvelée. Hein, et il n'y a donc pas un sens qui soit, justement, a fortiori dans la métaphore, a fortiori ou dans l'allégorie et cette espèce de grande conjonction des deux allégories dans la comédie, il n'y a pas un sens définitif, il n'y a pas un sens figé, puisque c'est un poème à sacre. Et que par conséquent, on est là, d'ailleurs, pour recommencer encore aujourd'hui l'interprétation, et nous descendons le front, et c'est tant mieux comme ça. Alors, voilà, si je peux formuler une question, ça serait autour de ça. Ça serait autour de cette sémiosis de la métaphore, avec ce qu'elle comporte d'effraction, justement. Hein, assumer, qu'est-ce que tu penses que comment dire, de Dante, ou nous pour lui, pouvons faire de cette parole métaphorique? Est-ce qu'on doit justement la décrypter pour lui assigner un sens unique, ou est-ce qu'au contraire, il faut que ça soit une sémiosis ouverte? Et une sémiosis, pour le coup, de l'effraction toujours renouvelée, toujours réactivée. Hein, donc voilà un petit peu la non, question. Bien évidemment, l'envers de la clarté, de la norme linguistique est l'obscurité la plus totale. Donc si les métaphores de la comédie étaient quelque chose de tout à fait, de complètement, de résultat d'une effraction totale, on ne serait pas dans les cas de le pouvoir interpréter et décrypter. Donc toute la ressource, la capacité de la métaphore est d'un côté de nous permettre de l'interpréter, de faire un décodage de ce que Dante est en train de dire, et d'extendre, de poursuivre un décodage infini. Qui n'aboutissent jamais à des choses définitives, mais en même temps qui a des références concrètes dans lesquelles on peut, à lesquelles s'appuyer, parce que comme ça les textes arrivent à produire ce type de d'interprétation infinie. Au contraire, si c'était quelque chose de complètement obscur, si les métaphores étaient complètement obscures, ça serait simplement quelque chose de incompréhensible. Non so se ho risposto. E poi potremmo andare avanti a parlare. Oui, mais pas seulement de conformité. Oui, mais pas seulement de conformité, de compréhensibilité. Oui, de... voilà, mais ça, oui, c'est compréhensibilité, c'est avec tout, cette zone du langage qui nous est commune. Oui. Sinon, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit commun dans certains morceaux même, parce que sinon, ça serait... Et dans cette espèce de
mystère que Dieu a et n'a pas décrit. Je te remercie de nous accueillir. C'est vrai que la société dantesque est née avec d'autres soutiens universitaires, mais aujourd'hui, Paris 3 compte dans nos amis. Et c'est un moment important que de fonder ce séminaire par quelques considérations globales, des hypothèses de lecture. J'ai associé aussi l'Université de Lyon cette fois-ci, afin que nous ayons aussi de la sécurité de structures universitaires dans le passage risqué que nous tentons. Je vais donc essayer de légitimer non seulement le petit texte que j'ai distribué, mais une vue qui permettrait de donner une intelligibilité réelle à la notion d'effraction. Et voilà à peu près comment j'entrerai dans le débat. Au fond, après un bilan de mes lectures dantesques, je dirais que ce qui attache à Dante, ce qui en légitime le culte, c'est peut-être que sous ce nom réside tout ce qui a trait au pouvoir de la forme. Dire Dante, c'est reconnaître que cet événement qualitatif qu'est la forme a un pouvoir qui s'exerce sur des lecteurs, sur des savoirs et sur une vie tout entière. Non seulement, bien sûr, celle de Dante en tant qu'il nous la raconte, mais la nôtre en tant que nous lisons sans cesse dans l'horizon de ce culte, cette vie. Ainsi donc, je prends très au sérieux l'idée qu'il existe non seulement une œuvre signée Dante, mais je crois qu'il existe effectivement une science qui s'appelle dantologie, même si nous savons qu'elle a été fondée, qu'elle a eu son histoire, qu'elle s'ancre à la fois dans l'Allemagne et l'Italie du XIXe siècle. Et toute la question, c'est de donner à la dantologie son mécanisme interprétatif, sa justification herméneutique et son fondement rationnel. Je dirais donc que j'appelle dantologie les effets de la forme Dante sur un lecteur donné. Et c'est pourquoi je placerai la dantologie sous une science plus générale que je nomme morphologie. On pourrait dire que dans un horizon qui est celui d'une morphologie générale, des états qualitatifs de la matière, la dantologie est un chapitre, avec cette particularité qu'on pourrait lui donner pour la qualifier. Dantologie, c'est une morphologie amoureuse. Ici, j'en profite pour remercier Isabelle Marcos d'être venue. Merci Isabelle, puisque Isabelle... représente ici les gens qui travaillent autour de l'œuvre de René Thom, et c'est vrai qu'à cet égard, quand j'explicite l'idée que nous dépendons au fond dans ce séminaire d'une morphologie fondatrice, c'est aussi à Thom évidemment que je pense, comme tu le verras d'ailleurs à d'autres reprises. Je dirais aussi que la morphologie aurait comme caractéristique d'être placée entre la sémiose, dont tu as parlé parfaitement, et la stylistique. Que c'est un rapport au signe qui n'est pas simplement classificatoire, comme dans une stylistique, qui prend en considération un mouvement créateur de sens, donc une sémiose, mais qui, selon là encore la visée de cet auteur dont je parlais à l'instant, donc René Thom,
peut se nommer une sémiophysique. Par sémiophysique, on veut dire ici le fait que la sémiose s'effectue sur des espaces qualitatifs qui peuvent être nommés nature. Il y a, au fond, un effet de nature qui s'inscrit dans cette morphologie amoureuse. Et par nature, ici, on ne veut pas dire simplement une vie ou un processus téléologique. On veut dire un espace dans lequel viennent s'inscrire des singularités. On dira donc que la dentologie, c'est l'imposition d'un espace morphologique où viennent se présenter des singularités. Et ces singularités ont trait à l'amour. Ces singularités viennent donc s'inscrire dans l'espace dentologique comme des éléments discontinus qui viennent serrer l'espace continu de la morphologie. Alors, ces propositions sont très générales et peuvent faire un peu souffrir l'auditeur, mais on pourrait les simplifier en disant que la sémiophysique dantesque, ou la dentologie que je décris comme morphologie amoureuse, est tout simplement, au fond, une géométrie, mais une géométrie qui aurait à traiter des objets non pas quantitatifs, mais qualitatifs, et qui, en ce sens, vient décrire des formes qui apparaissent sur un fond. Sorte de gestalt d'anthologie, si vous voulez. Alors ici, se pose une difficulté immédiate. Vous allez me dire, mais si on admet que c'est une morphologie, Dante est le nom d'une morphologie qui vient s'inscrire dans un espace continu, est-ce que cet espace continu, c'est le ciel? Est-ce que ce sont les cieux décrits par Dante? Et est-ce que ça n'était pas une restauration, au fond, de l'agir dantesque sur fond d'un cosmos? Alors je proposerais une voie différente. Ma voix consisterait à dire que l'espace dantesque pur, l'espace dantesque en tant qu'il fait fond à la morphologie amoureuse, n'est pas le cosmos, les cosmos, mais c'est d'abord le livre. L'espace mère de la dantologie, c'est le livre. Par livre, bien sûr, je n'entends pas simplement la Divine Comédie, mais ce livre-là, en tant que, ça c'est l'édition de 1921, en tant qu'il peut se refermer sur une couverture. Et qui contient l'ensemble des traces laissées par Dante et qui font système par leurs effets de renvoi. Ce livre n'est pas simplement un geste autoritaire où j'aurais remplacé la cosmologie par le livre. Je me contente de lire le premier paragraphe de la Vita Nova. Et qu'est-ce que je vois paraître? Premier livre, premier mot, un livre, ce livre de la mémoire, qui est écrit en noir puisque nous apprenons qu'il s'y inscrit des rubriques. Et nous savons très bien que les rubriques sont écrites en rouge. Par conséquent, c'est sur fond du livre de la mémoire que viennent paraître des paroles écrites qui relatent qu'en un certain punto, en un certain point de l'espace-temps, apparaît une forme qu'il faut nommer Béatrice, pour deux raisons. Pour une raison, je dirais, spéciste et pour une raison éthique. La raison spéciste, c'est parce qu'elle s'appelle Béatrice, parce qu'elle est une femme, una donna. Et une raison éthique, parce qu'elle rend heureux. Béatrice est le nom de celle qui rend heureux. Il y a un facteur, une efficace du bonheur dans ce nom. On dira donc nous pratiquons une morphologie qui va valoir comme une remémoration dans l'espace du livre d'un événement qui se nomme femme et qui va se définir d'abord comme une gloire. C'est le propre de cette spécieuse-là que de rayonner et d'apporter sa gloire. Et cette gloire, en tant qu'elle est donna, elle procure le yoï, c'est-à-dire le gaudium, la félicité, des poètes courtois que les poètes courtois attendent de l'œuvre poétique. On dirait donc de cet événement liminal, qui s'ouvre avec la Vita Nuova, on va peut-être laisser notre collègue s'asseoir. S'il reste une chaise,
Non, non, mais c'est normal qu'on te laisse quelques places. Voilà, j'essaye de fonder une morphologie dantesque. Et voilà mon entreprise. Donc, une forme, au fond, une déflagration initiale en tant que Béatrice et qui sert de matrice à un certain nombre d'événements qui vont s'enchaîner avec ce profil initial, de telle façon qu'on peut faire l'hypothèse que toute l'œuvre de Dante, pas seulement la Divine Comédie, bien sûr, mais toute l'œuvre, serait une suite de transformations de la forme initiale. Une sorte de process qui nous ferait passer du concept... Désolé, j'ai fait une tâche sur votre... Ah, je suis vraiment désolé. Qui, commençant donc par cette forme initiale qui doit être au fond rythmée et feuilletée en métamorphose successives, donne lieu à une cinématique des formes. Nous aurions la fondation d'une morphologie en tant qu'elle rend possible une cinématique des formes. Et toute position dans l'œuvre, qu'il s'agisse d'un sonnet libertin ou qu'il s'agisse d'une vision béatifique, qu'il s'agisse d'un geste politique, qu'il s'agisse d'une remarque grammaticale, qu'il s'agisse d'une thèse théologique, tout cela peut être réunifié comme autant de successions, de développements, de mûrissements, on pourrait dire aussi, de la forme initiale, de telle façon que toute l'œuvre d'Homme pourrait être pensée comme un arbre qui vient accroître par bifurcation de cette sème, de cette semence initiale qui est l'apparition de Béatrice à 9 ans dans les conditions que tout le monde connaît ici. Ce qui fait que toute lecture de Dante, vous voyez, s'élève à une très grande généralité dans cet horizon épistémique que j'appelle la morphologie. Une lecture de Dante, ça serait procéder, parcourir une encyclopédie des apparitions, une encyclopédie des apparitions, prise dans l'effeuillement universel de l'amour, ce que j'appelais l'arbre. Alors, évidemment, l'arbre et l'arbre renversé s'y sont mobilisés, bien sûr. Et j'ai beaucoup de chance parce que cette hypothèse qui peut-être vous apparaît lourde à porter et qui n'est que des trois premières lignes de l'œuvre, par œuvre, je veux dire l'œuvre totale, trouve au moins deux justifications, peut-être trois, dans les dernières lignes de la Divina Commedia, dans le thème du nœud qui lie les substances et les accidents, ce nœud qui se décline en arrachant, pas tant page par page, mais cahier par cahier, ainsi squaderna, se déchire cahier par cahier, et qui, pages qui donc viennent à être libérées de toute attache, de tout lien, comme les feuilles de la Sibylle, pour être finalement fondues ensemble, mot toujours de Dante, en un ensemble indicible. Et ici, Dante, après avoir parlé du livre, du nœud, de ce que j'appellerais la squadernation ou la déclinaison, en vient à formuler le concept le plus adéquat à une morphologie générale, puisqu'il parle de la forma universale. Nous aurions donc affaire à une forma universale, nœud, et là nous retrouvons le thème du yoï courtois, nœud de toutes les jouissances. Ce qui fait que, si on admet cette façon de réordonner le corpus, depuis l'ouverture de la Vita Nuova jusque Paradis 33, 85, 96, nous avons le déploiement régulier de ce que d'ailleurs René Thom avait appelé lui-même une transcendance démembrée, c'est-à-dire un feuilletage d'une singularité féconde qui, en se déployant régulièrement, quoique par asymétrie, comme nous le verrons,
produit l'ensemble des formes d'un monde, du monde de Dante, et peut-être d'une façon plus complexe de notre monde. Je vous encouragerai dans ces conditions à récolter les occurrences majeures du concept de forme dans sa dimension aristotélicienne, bien évidemment, dans ses variantes sémantiques qui la rapprochent du concept d'ombra, qui la rapprochent du concept d'atto, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, prendre en charge les occurrences de forme pour en faire le nœud, précisément, d'une lecture ordonnée, intriquée, travaillée de l'œuvre. Vous le voyez que, par un peu de perversion, j'essaye de fonder cette morphologie amoureuse dantesque en évitant la question du sens, ou plutôt, je rabats toute question du sens, et donc du sens de l'œuvre de Dante, sur la question du pouvoir d'une forme. On dira donc que ce que signifie l'œuvre de Dante, c'est le pouvoir d'une forme. Ce qui ne veut pas dire que je peux donc traduire en un énoncé conceptuel fermé l'événement dont je cherche à tirer le sens. Je cherche plutôt à serrer ces métamorphoses. Au fond, c'est plus un problème à cet égard d'enchaînement des états que de fixation dans un concept. Nous dirons donc que nous sommes face à un déploiement universel et que ce déploiement universel, bien sûr, comme il le dit à propos de Violette, « è una forma più che umana », c'est-à-dire donc en 58.5, « forma più che umana », mais dans lequel, nous le savons depuis le début de la Vita Nuova, nous avons un rapport personnel qui s'appelle, qui se nomme assemprare, ou selon les variantes, assemplare. C'est-à-dire, nous produisons des effets de prélèvement exemplifiant de cette forme initiale. Et écrire, penser, aimer, c'est assemprare, des paragraphes, plus ou moins visibles du livre fondamental dans lequel advient l'événement morphologique de Dante. On ne peut pas comprendre comment cette germination se produit si on en reste au simple rayonnement glorieux de Béatrice. Parce qu'il pourrait se faire une objection exactement semblable à celle du créationnisme, c'est de dire comment cette valeur absolue vient à se décider à créer un monde. Il faut donc comprendre quel est l'élément qui, à l'intérieur de du rayon glorieux de Béatrice, fait qu'un monde advient. Eh bien, ma thèse, c'est que nous apprenons au chapitre 3 de la Vita Nuova le mécanisme, ou plutôt la chute, le processus dévorant qui rend moteur le pouvoir de Béatrice. Je prends parmi tant d'autres formules celle-là qui me semble claire. « Après ciò, poco dimorava... » che la sua letizia si convertia in amarissimo pianto. Formule, me semble-t-il, qu'on peut éclairer par trois phrases que chacun ici connaît. Des trois phrases en latin qui ouvrent la Vita Nuova. Je vous les redis. Première effet de la vision de Béatrice, « Ecce Deus fortior me », donc voilà un Dieu plus fort que moi, « qui veniens dominabitur mi » et qui, en arrivant, exercera sa domination sur moi. Seconde phrase, apparuit iam beatitudo vestra, elle est apparue ma joie. Et ou misère, quia frequenter impeditus ero de inceps, que malheureux je suis parce que à plusieurs reprises je vais désormais être dans l'empêchement. Nous retrouvons dans ces trois propositions mon propos d'ensemble. L'apparition de la forme dont le pouvoir est l'objet de notre enquête. Apparuit iam beatitudo vestra. Deuxièmement, cette forme a une valeur de propagation. Ecce Deus fortior me.
elle peut porter sur moi et elle peut se répandre en des dominations diverses qui seront les différents plans dans lesquels s'exercera la morphologie dantesque. Et cette deux premières phases de la construction formelle s'associe à la misère du troisième point. Cette joie est une misère parce que cette joie rencontre l'empêchement. Eangar, an empotitsai en grec, hein, c'est-à-dire l'acte se produit.